de conférencier, tout ça, c'est des gens qui ont une tartine de diplôme. Hein. Mais non, moi je fais ça bénévolement. Il paraît qu'il y a un mot anglais pour ça, mais ça m'écorche le mot anglais. Ah oui, surtout les anglais. Bien qu'ici, on soit en Angleterre, on a été en Angleterre longtemps. Hein. Mais il paraît, oui. Oui, oui, oui. Mais écoute, il y en a une qui reste de l'époque. L'anglaise. L'anglaise. Ah, la fausse. Ah, voilà. Anglaise. Elle est fausse aussi, elle est bandelle. Alors, exemple, première idée reçue, ici, on n'est pas en Béarn. On n'a jamais été en Béarn, ici. On était en Chalosse. C'est pour ça, tant pis, je ne vais pas me faire des amis. C'est pour ça qu'ici, on a le tempérament plus festif que les Béarnais. Ça doit être alors. Bien qu'il y ait des patachons dans les Landes, dans le Béarn. Alors ici, j'ai un truc de 1675 qui va faire la lecture pour vous. Oui, c'est là. Montagne chère, Christiane. Attends. Ça dégorge. Où c'est qu'il est Arzac ici, je le vois pas. Ouh. Ça décorche la gorge, je dirais que c'est d'un. Mais oui, ça me gêne un peu, C'est l'émotion. C'est bien. Arzac, ça s'écrivait Z-A. Ah, c'est cul, oui. Ah, c'est, il n'y a pas de cul. Non, pas le cul. C'est pas le cul, ça. Ça change souvent, oui. Alors, ah oui, voilà. Il faut pas oublier ici qu'on est en Béarn. Et c'est à la Révolution, quand on a fait les départements, que... Le Béarn est ici. Les Béarnais, on dit, il y a un village terrible là-bas, on va le prendre avec nous. Ça, je suis d'accord, là. Et Arasiguet, c'est qui? Et Arasiguet, c'est un quartier, là. C'est Baba Oron. C'est Baba Oron. Qui a été volé à Bouvigny ou à Camisot, je ne sais pas lequel. Oui. Louis XVIII, il a reséparé les communes. Et Napoléon, il était battu par qui, là? Dans l'ensemble de l'Europe. Vous avez mis 15 ans. Hein. Par Poutine. Ensuite, vers 1830, les conseils municipaux d'Arzac. Mais une fois, on m'avait repris parce que j'ai oublié le cul. Yes. Oui, à yes. Arzac. Ah, oui. Mais j'ai vu qu'autrefois ça s'écrivait oui, sans cul. Hein. Voilà. Oui, voilà. Il y a quand j'ai vu ça, j'ai dit à Patrick Martin, regarde, elle a oublié le cul. Hein. C'était Lou Mira. Oui, c'est Lou Mira. C'est de là qu'a été inventé le plan cul. C'est Lou Mira. C'est Lou Mira. Lou Mira. Voilà, alors Arzac. À la cour d'Angleterre, il parlait français. Et on aurait parlé, on aurait eu le même royaume, on aurait parlé français partout. Pas emmerdé. En plus, les Américains auraient parlé français. Donc, nos élèves, au lieu de passer des heures et des heures et des heures à apprendre l'anglais à l'école, ils auraient fait autre chose. Plus intéressant. Jouer au rugby. Voilà, à quoi ça tient. Voilà. Mais Richard Cœur de Lyon, il ne connaissait pas l'anglais, hein. Il ne parlait pas anglais. Non, il ne parlait pas anglais. Et quand on les a foutus dehors, le roi d'Angleterre, pour se venger, il a dit on ne parle plus français à la cour d'Angleterre. Ils ont inventé le rugby et on leur a foutu la pâtée. Pas à chaque fois. Pâté. Elle l'a pâté, on les a battus. La pâté, c'était l'année dernière. À plate couture. À plate couture, de deux points à la dernière minute. Quand la pâté s'est mise sur le marché, ça ne valait plus rien. Donc, on a fait cette place ici. La Bastide. Alors, pour trouver le texte de fondation, on ne l'a pas trouvé. Il est parti à Londres. Au Moyen-Âge. Mais toutes les villes neuves du Moyen-Âge ne sont pas des Bastides. Alors, il y a eu une période de la troisième, pas de guerre, la bonne météo, la population a augmenté, et on a planté des villages un peu partout. Alors, les seigneurs, les rois, ils installaient des villages dont ils étaient les maîtres absolus. Et les Bastides, il y avait quelque chose de différent, c'est qu'il y avait un contrat qui était passé entre le seigneur et les habitants. C'était déjà un semblant de démocratie. Oui. Il y avait un responsable, le baille, qui était le maire, mais nommé par le seigneur. Hein. Oui. Ce n'était pas élu ici comme en Russie. Oui. Alors, la Bastide, c'était on peut dire une ville neuve. Alors, certaines Bastides ont été faites à des endroits où il y avait rien. Comme dans la plaine de Nigre, où il y avait rien, on installait une Bastide. Parce qu'ici, c'était.
marécages. On n'a pas fait une... Voilà, c'était des marécages partout. Hein. Oui. Et alors, je me disais, mais c'est des conneries, ça, le poids de l'église, ça va s'enfoncer. On m'a expliqué que non, plus on enfonce, plus la pression est forte et on peut plus... Ouais. Et on dit, à Venise, c'est sur du sable. Hein. Ouais. Et ça pèse plus que ça, hein, le palais à Venise, ouais. Ça ne s'enfonce pas. Alors donc, c'est sûr, pilotis, et c'était fait en 1860. 1860. Oui, l'ancienne église qui était à l'autre bout du village avait brûlé. Et là, on l'a mis au centre, j'avais le farceau. Alors, le farceau, c'est comment sortir? Comment ça s'appelle? Vissons le verre. Vissons là. On dirait des raviolis. Des raviolis. Là, il y a une bonne cuisinière. Elle a fait la cuisine combien d'années chez nous? 25 ans chez nous. Il n'y a qu'à voir comment je me porte. 25 ans à la maison. Hein. Florie était née. Tant que tu l'as la même. La maison, la de Floride. Et ici, et tout ça. N'était pas obligé de boire, de fumer des bouteilles. Comment vous pouvez vous entendre avec non, mais je vais les enlever au montage. Une dame de Gers, qui nous connaît à peine. Ah, voilà. Tu m'en gardes un peu. Hein. Sur le site.